Bienvenue sur les enregistrements audio des rencontres du 15e printemps des sciences humaines et sociales organisées par la MESH sur le thème « Penser le changement climatique ». Vous écoutez la table ronde intitulée « Les sciences sociales face à l'anthropocène, recherche et expérimentation ». Enregistrée le 9 avril 2024 à l'auberge de jeunesse Stéphane Hessel à Lille, avec la participation de Florence Janicatrice, professeure en économie à l'université de Lille, Irache Calvo Mandieta, maîtresse de conférences en économie à l'ULCO, Olivier Petit, maître de conférences en économie à l'université d'Artois, Jean-Christophe Lipovac, directeur de Zoo in France, et animé par Nathalie Bernard, coordinatrice de la chaire ESS. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Cet atelier organisé par la chaire ESS dans le cadre du printemps des SHS, le printemps des sciences humaines et sociales. On est heureux de contribuer une nouvelle fois à ce printemps. On essaye de présenter quelque chose. On a été pendant très longtemps accueillis dans les locaux de la MESH, qu'on appréciait beaucoup. Et donc on essaye de présenter des ateliers à chaque année. Donc cette année, on est particulièrement heureux puisque la question du changement climatique et également des changements sociaux et démocratiques qui sont liés d'ailleurs, sont prégnants dans les travaux de recherche en sciences sociales et en particulier en économie et en socio-économie. Donc c'est pour cela qu'on a choisi de proposer cette rencontre sur le thème des sciences sociales versus l'anthropocène, avec une approche comme à notre habitude à la chaire qui croise les regards de chercheurs et d'acteurs et d'expérimentation, croiser la recherche et les expérimentations. Donc on a le plaisir d'accueillir Florence Janicatrice, je ferai une présentation un peu plus détaillée après, Florence Janicatrice, Irache Calvo Mandieta, Olivier Petit et Jean-Christophe Lipovac. Donc présentation complète de nos intervenants, vous me corrigerez si j'ai fait des bêtises, mais normalement... Si nos fiches sont à jour. Voilà, si les fiches sont à jour. Donc Florence Janicatrice est professeure d'économie à l'Université de Lille, membre du LUCLERC, donc qui est le Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique. Elle travaille sur les nouveaux indicateurs de richesse, sur la quantification, les enjeux de l'évaluation et l'évaluation des politiques publiques. Elle travaille depuis presque 10 ans sur l'expérimentation zéro chômeur de longue durée, 2016. Et elle dirige actuellement un projet de recherche nommé EMISETTE sur un indicateur de santé écologique territorialisé. Irache Calvo Mandieta est maîtresse de conférences en écologie et économie à l'Université du Littoral Côte d'Opale, membre du laboratoire TVES, qui est donc Territoire, Ville, Environnement et Société. Elle travaille sur des problématiques d'environnement et de gestion des ressources naturelles et ses recherches s'appuient sur la dimension institutionnelle de l'analyse économique. Je vais y arriver. Elle est membre fondatrice de la SOFI, qui sera l'objet de la présentation avec Olivier, et membre de son conseil d'administration. Olivier Petit est maître de conférences en économie à l'Université d'Artois, membre du CLERC et spécialiste en économie écologie, en économie institutionnelle et en économie des ressources en eau. Ses recherches portent sur la gouvernance des eaux souterraines, la gestion intégrée des ressources en eau, l'irrigation et également le développement durable. Il est membre fondateur, tout comme Irache, de la SOFI et, tout comme Irache, membre de son conseil d'administration. Jean-Christophe Lipovac. Donc j'ai pas la t'es pas la bio. J'ai pas la bio complète. Ah. Ce qu'elle m'a raconté. j'ai juste directeur de l'association Zoo in France. C'est ça. Dont la fondation suisse, la fondation Zoo in Suisse, créée par Sophie Swatton, et qui propose la mise en œuvre d'un revenu de transition écologique. Très bien. Très synthétique. C'est parfait. Voilà. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec la première intervention de Florence, qui est bien nommée « Sciences sociales versus anthropocène ». Ok. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Bernard, de la chaire ESS, et merci aussi à la MESH de nous avoir conviés à cette table ronde, présentation, séminaire, je ne sais pas comment il faut l'appeler, autour des sciences sociales face à l'anthropocène, ce que je préfère à versus face à l'anthropocène. Et je vais essayer d'avoir un topo pas trop long, mais quand même pas si court que ça, quand j'en juge au nombre de pages que j'ai, mais je vais quand même essayer de dérouler un peu mon propos. Je voudrais introduire mon propos autour des limites planétaires et en commençant la question autour des limites planétaires sur,
sur une question que je voudrais nous adresser. Est-ce que le capitalisme a jamais tenté de régler ses contradictions? Je pourrais le commencer comme ça. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir à quel point le capitalisme, il a toujours fait montre d'une certaine capacité à s'adapter aux crises multiples qu'il a traversées tout au long de sa carrière de capitalisme, je pourrais dire, autour de, disons, 200 ans, 250 ans, enfin, ça dépend où on fait commencer la temporalité au capitalisme. Mais en tout cas, c'est ce qu'avait bien montré en leur temps, justement, une gestionnaire qui s'appelle Eve Chiapello et un sociologue qui s'appelle Luc Boltanski, dans un ouvrage intitulé « Le nouvel esprit du capitalisme », dans lequel il montrait la capacité de récupération de la critique par le capitalisme. Et donc, il faut reconnaître au capitalisme une très, très grande capacité à récupérer la critique et donc une certaine forme d'adaptation aux crises structurelles qu'a traversé ce dit capitalisme. Mais il s'est toujours agi, en tout cas jusqu'ici, de réformes en vue de s'adapter, en vue d'être parfois même résilient, plus que de grandes transformations pour régler de manière structurelle les causes des crises multiples. Et précisément, est-ce qu'il s'agit ici d'une crise de plus? Est-ce qu'il s'agit ici d'une simple extension, je vais parler comme les économistes mainstream que je vais critiquer par la suite, une simple extension dite d'externalité? Est-ce qu'il s'agit ici, la crise écologique, est-ce que c'est un choc externe? Est-ce que c'est un désastre? Est-ce que c'est un effondrement? Bon, et il faut reconnaître, je pense, que les concepts des économistes sont assez faibles et parfois même fallacieux pour essayer de rendre compte des multiples effondrements auxquels nous faisons face. Et souvent, j'ouvre une parenthèse pour parler des effondrements quand on me dit « mais tu reprends maintenant effondrement à ton compte ». Bon, je pense qu'il suffit d'interroger les habitants du Pas-de-Calais qui ont été inondés 3 fois de suite pour accepter l'idée que, de leur point de vue, en tout cas, il s'est bien agi d'un effondrement, en particulier quand ils ont décidé de manière volontariste de ne plus revenir, pour certains d'entre eux, dans le lieu qui a pu être leur monde, y compris, et ce qui a pu constituer leur racine. Bref, donc avant de revenir sur ces concepts un peu autour notamment des externalités, je vais essayer de chercher le diagnostic de cet effondrement un peu hors des sciences sociales, dans ce qu'on appelle parfois les sciences de la durabilité aujourd'hui. Et il semble que, en effet, la multidimensionnalité des urgences a été hiérarchisée dans un article qui ne fait pas l'unanimité, mais qui est quand même qui a été publié par la revue Nature en 2009 et qui était intitulé « A Safe Operating Space for Humanity ». Donc un espace de, tiens, je suis même pas sûre de savoir bien le traduire, bon je vais pas le traduire, qui met en avant l'idée en tout cas de limite planétaire, et c'est Rockström, puisqu'il s'agit de lui, a identifié à l'époque 9 limites, et il faut dire que pendant longtemps on avait été envahi par l'idée que les ressources naturelles étaient de 2 types, soit elles étaient renouvelables, soit elles étaient non renouvelables. Et il n'y avait que les ressources non renouvelables qui devaient faire l'objet d'une réflexion, puisque un jour, on n'aurait plus d'énergie fossile, etc. Et que les ressources dites renouvelables, bah, elles étaient par essence renouvelables et presque d'une manière un peu infime. Et cet article, là, il a été rédigé donc, par ce groupe de sciences de la durabilité, et il soulignait que les actions humaines, et en particulier les systèmes de production addicts aux énergies fossiles et l'industrialisation de l'agriculture, qui sont pointés du doigt dans l'article, étaient devenus les facteurs premiers du changement environnemental global. Et ils reprenaient à leur compte l'idée d'anthropocène, dont vous avez peut-être vu qu'il était aujourd'hui contesté par certains scientifiques, et ils mettaient en avant, parmi les facteurs de l'effondrement, ces addictions aux énergies fossiles que je viens d'identifier. Et bien qu'ils s'intéressaient aux conditions physiques, c'est-à-dire aux limites physiques, physiologiques, enfin aux limites écologique d'un possible moment de bascule, ils avaient bien identifié dans ces modalités sociales d'organisation du capitalisme les ressorts d'une telle bascule, et il me semble que c'est important à signaler. Et selon eux, la dynamique en cours du capitalisme tel qu'il est pourrait conduire à des effets irréversibles, évidemment qui avaient déjà été bien montrés par d'autres, je pense à des auteurs de l'économie écologique, et puis des changements environnementaux drastiques pourraient conduire à des états de la nature moins ou tout simplement non propices à la vie humaine, ou pour le dire avec moins d'ellipse encore, à des états de nature mortifères pour le genre humain.
Alors, les frontières planétaires sont dépassées, montrent les auteurs. Ils montrent que sur les 9 limites planétaires qu'ils ont identifiées, 3 avaient atteint des points de bascule dans les années 2010 et aujourd'hui 3 de plus, donc on est déjà à 6 sur 9 d'une certaine manière, même parfois 7 sur 9. Et ce qui est important dans ces points de bascule, c'est qu'au fond, ces moments d'irréversibilité, cette ère d'irréversibilité, d'emballement, signifie en termes socio-économiques qu'on entre dans une ère inconnue, radicale et non maîtrisable. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'au fond, la nature reprend ses droits et qu'elle n'est plus maîtrisable par l'homme. En tout cas, cette maîtrise risque d'être compliquée. Et ce référentiel de Rockström autour des 9 limites planétaires me semble à la fois heuristique et pédagogique, comme le fut en son temps l'empreinte écologique, et même si elle en faisait parfois une question un peu individualisée. Ces frontières écologiques planétaires, donc, elles sont de plus en plus combinées à des limites sociales, comme autant de balises qui visent à jauger les capacités collectives des sociétés à vivre ensemble, puisque de plus en plus des auteurs articulent la question de la justice écologique et de la justice sociale, considérant qu'elles sont intimement liées et qu'on ne réglera pas les questions écologiques sans régler les questions sociales. Mais de ce point de vue, les promoteurs d'une socio-économie écologique, comme Clive Spach, comme Olivier Goddard, mais bien sûr aujourd'hui comme le couple ici qui va nous présenter les travaux de leur association, ont vraiment insisté sur le rôle décisif des institutions, des cultures, des visions morales, politiques et éthiques dans les interactions entre les milieux naturels et les ressources. Au total donc, le point de bascule, il semble assez proche, en tout cas, il y a des sciences de la durabilité qui documentent ce point de bascule et cette irréversibilité certainement en cours. Et moi, la question que j'ai envie de me poser maintenant dans le temps qui me reste, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Ou, pour paraphraser la reine Elisabeth, comment et pourquoi, je la cite rarement, comment et pourquoi les économistes n'ont-ils rien vu venir? Et elle s'adressait à la question de la crise financière de 2008, qu'on peut aussi adresser à la question écologique. Pourquoi est-ce que les économistes n'ont-ils rien vu venir? Et puis, si je voulais reprendre le titre éponyme de l'ouvrage d'Antonin Potier, qui est un économiste aujourd'hui à l'EHESS, « Comment les économistes réchauffent la planète ?» Point d'interrogation. Et donc, évidemment, avec... D'ailleurs, je mets un point d'interrogation, mais dans le livre d'Antonin Potier, il n'en met pas, et il montre et il essaye de démontrer comment les économistes jouent un rôle, vraiment, les économistes mainstream, orthodoxes, bien sûr, pas ceux qui vont présenter les travaux après, mais je vais y revenir, réchauffe la planète. Donc, comment expliquer cette telle inertie à la fois des institutions, des pouvoirs publics, des acteurs économiques, des citoyens, pas tous évidemment, il y a Zoën, il y a des éléments en marge, hein, et c'est peut-être qu'aux marges que se situe la réalité, mais quand même, en particulier les plus pollueurs, non pas pour nous inviter à nous adapter, mais pour réagir vigoureusement face à cet effondrement, pour résister, alors que finalement tout le monde sait, en tout cas tous ceux qui veulent savoir savent. Et je voudrais identifier deux vents contraires comme autant de freins, mais le terme est vraiment faible, comme autant de résistance stratégique à une transformation radicale, à une révolution, à une transformation radicale, une résistance stratégique à une révolution dans nos modes de production, de consommation, de distribution. Et comme la science, elle porte sur les sciences sociales face à l'anthropocène, je vais me centrer sur le rôle joué par la science économique dominant. Le premier vent contraire, il me semble que c'est une dépendance cognitive au sentier ou une inertie des logiciels de pensée. Et j'ai jusqu'ici parlé des économistes un peu comme un tout, et je le dis et je le redis à chaque fois que je peux, cette manière de présenter la science économique comme un tout, c'est une perspective paresseuse. Parce que les économistes ne pensent pas tous la même chose, et ils seraient d'ailleurs d'une utilité faible s'ils pensaient la même chose, pour paraphraser André Orléans. Et l'économie mainstream s'est emparée depuis fort longtemps de la problématique de l'environnement et de ressources naturelles. Il faut lui reconnaître une certaine forme de réflexion autour de cela. Mais la manière de penser le marché, de penser l'environnement, lapsus révélateur, est strictement envisagée sous l'angle du marché, des défaillances de marché, des externalités, selon l'adage que quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Et donc, pour les économistes de l'environnement, le désastre ne serait lié qu'à des externalités. D'ailleurs, pour l'économie de l'environnement, il m'arrive souvent de faire des débats avec eux, qui est assez prompt à refaire l'histoire. Ça serait parce que la nature n'avait pas de prix jusqu'à récemment qu'elle aurait été autant dégradée,
ce qui est un sacré coup de canif dans l'histoire des pays en développement, dans l'histoire d'une certaine partie de la planète. Donc pour eux, les pollutions seraient une externalité du système, le changement climatique serait une externalité du système, l'effondrement de la biodiversité serait une externalité du système. Et cette externalité, pour l'économie mainstream, sont le fait que les activités de production et parfois, pourquoi pas, de consommation auraient des effets incidents. Il m'arrive parfois, pour me faire bien comprendre, ça serait un peu l'effet oups, qui nuisent à des agents économiques tiers et ces effets incidents n'étant pas valorisés en coût. Et les économistes de l'environnement n'hésitent pas à parler d'externalité en cas de pollution industrielle. Ça va de la catastrophe de Fukushima à celle de Rouen et de Lubrizol, à AZF à Toulouse. On pourrait même parler d'externalité lors de l'effondrement du Rana Plaza, symbole du textile mondialisé au Bangladesh, avec quand même 1200 morts. Et pour l'économie écologique ou la socio-économie écologique, je précède un peu ce qui va être dit, mais les externalités, elles ont un caractère systémique. Et d'ailleurs, ce concept d'externalité est totalement inopérant pour rendre compte de l'empreinte laissée par le capitalisme et ses dynamiques extractivistes sur la nature. Deuxième élément qu'il faut mettre de côté, ce sont les chocs externes. Parce que l'économie de l'environnement et de marché, elle développe non seulement le concept d'externalité, mais aussi l'idée que les crises, elles auraient des causes externes au système. Ça serait au fond une extension de l'externalité. Et il y a d'ailleurs des économistes très visibles, je pense à Jean Pisani-Ferry, tant pis je l'égratigne un peu, qui considéraient déjà que la crise du Covid pouvait être comparée à un choc de météorite, je les cite, choc de météorite. Vous voyez quelque chose qui est extérieur au système et qui vient, voilà, un peu se casser les dents sur la planète Terre et qui, négligeant superbement tous les travaux, notamment du GIEC de la biodiversité, qu'on appelle l'IPBES, et qui invitait au contraire à considérer le rôle structurant joué par les zoonoses dans les épidémies et le caractère du coup endogène de la crise sanitaire. Il faut chercher dans l'organisation interne de nos systèmes toutes les crises qui apparaissent. Vous voyez bien, dans l'imagerie qu'on utilise, le choc météorite par rapport au fait qu'on accepte l'idée que c'est dans le capitalisme, à l'intérieur de lui-même, qu'il faut trouver, d'une certaine manière, ses propres contradictions. Et cette narration vraiment ad nauseam d'une extériorité des crises et des catastrophes, elle est vraiment très commode, hein, parce qu'elle permet de s'exonérer des contradictions internes du système, donc circuler, il n'y a rien à voir. Elle permet de s'exonérer d'une analyse des responsabilités structurelles aussi, des crises ou de cet effondrement. Qui est responsable de ce qui est en train de nous arriver ? C'est aussi la discussion anthropocène, capitalocène par exemple, et de faire tourner en boucle aussi, ce qui est pratique pour les professions, les mêmes modèles, les mêmes variables, en jouant de la critique interne, en modifiant les paramètres, etc. Troisième élément, externalité, choc externe, et troisième élément, l'économie de l'environnement, elle fait du marché la seule institution légitime. Et dans cette perspective, les dispositifs de régulation de l'économie de l'environnement sont pour l'essentiel des signaux prix et les nouveaux marchés qu'on songe à la tarification carbone quand même, et au marché carbone, pire encore. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant toujours dans le rapport Pisani-Ferry de 2023, c'est qu'il choisissait des bons mots. Sont évoquées la planification, la réglementation, la régulation des quantités consommées. On n'est pas très très loin de la décroissance quand on parle de régulation des quantités consommées. Mais pourtant, le signal prix, de même qu'une meilleure information du consommateur, sont toujours présentés comme le golden standard. C'est d'abord le marché qui doit résoudre les problèmes écologiques et environnementaux. Externalité, extériorité des crises, marché. Je pourrais ajouter la monnaie, mais je n'ai pas le temps, donc je ne vais pas le faire. Mais je pourrais vous montrer à quel point la monnaie joue contre l'idée qu'il puisse y avoir des irréversibilités. Et puis le dernier élément, et je pense que on est là sur le quatuor magique de la pensée de l'économie écologique, de la pensée de l'économie de l'environnement, et c'est le mythe de la compensation, parce que au fond, quand on accepte l'idée qu'il y a des irréversibilités, eh bien on rend impensable la question de la compensation. Et ce mythe de la compensation, elle est un attrape-tout autant que celle des externalités. Elle est mobilisée pour réinternaliser les externalités, un peu comme si on aurait à faire un commerce contemporain des indulgences pour celles et ceux qui maîtrisent un peu des questions un peu liées à la religion. Et au fond, aux émissions de gaz à effet de serre, on répond compensation, alors que la compensation n'est jamais achevée. Et là, les sciences de la durabilité nous aident beaucoup, ou de la biodiversité, la dégradation est toujours en cours. J'imagine que j'ai presque
j'ai presque évacué le temps dont, qui m'était disponible. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi il y a une telle inertie. J'ai donné un premier vent contraire, celui de la dépendance cognitive au sentier et une certaine inertie des logiciels de pensée, en tout cas en économie, hein, qui ne bougent pas d'un iota dans leur catéchisme de marché. Et je pense que le deuxième point, c'est qu'il y a une conséquence de ces pensées... il y a un deuxième point quand même important, deuxième vent contraire, qui est ce qu'on pourrait appeler la gnotologie, ou bien la production de l'ignorance. Je pense qu'on peut aller un point plus loin, plutôt que de dire, ben voilà, les économistes, ils sont dans l'inertie. Ils ne sont pas seulement dans l'inertie, ils sont aussi dans la production intentionnelle d'une certaine forme d'ignorance pour empêcher, dans le pire des cas, pour empêcher que ne se déroulent des diagnostics heuristiques et puis raisonnés de ce qui est en train de se passer. Et j'en ai plusieurs indices à ma disposition, mais je n'ai pas le temps de les évoquer, mais je vais juste les évoquer, puis on y reviendra peut-être dans la discussion. Le premier indice, c'est la réception de la production du rapport des Meadows en 1972 et du rapport du Club de Rome, qui était vraiment un rapport très révolutionnaire qui s'appelait « Limits to Growth », donc les limites de la croissance, et en particulier les limites de la croissance exponentielle. Et à cette réponse, mais je suis juste allusive, à ce rapport, ont répondu d'abord des économistes qui sont devenus tous les deux prix Nobel, enfin le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, une réponse qui a été fournie par James Tobin et William Nordhaus, parce qu'ils ont publié un article retentissant en 1973 qui s'intitule « Is growth obsolete ?» Est-ce que la croissance est obsolète? Et pour cela, et c'est ça l'ironie du sort ou l'ironie de l'histoire, ils ont produit un premier indicateur alternatif au PIB. Mais ce premier indicateur alternatif au PIB, il disait « circuler, il n'y a rien à voir ». Ne vous inquiétez pas, on est toujours sur une pente quand même positive, il n'y a pas de découplage, pas besoin de découplage absolu pour le dire autrement, avec cet indicateur de bien-être économique durable par rapport à la croissance économique. Et vraiment, ils ont joué un rôle, alors Nordhaus a joué un rôle bien plus important par la suite, pour l'élaboration d'une sorte de trajectoire. Et puis d'un autre côté, le deuxième moment, je pense, dans l'histoire, c'est l'invention de la croissance endogène. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous n'êtes pas, sans doute pas tous des économistes dans la salle, encore qu'il y en a certains qui peuvent se prétendre économistes parce qu'ils sont en master. Mais c'est, à mon avis, un deuxième coup de force des économistes dominants parce que, en gros, ils ont inventé, à partir des années 80-85, le concept de croissance endogène et qui vient essayer de dépasser, mais je suis un peu allusif, pardon, qui vient dépasser la théorie de la croissance et le modèle de croissance de Solow des années 70 et 80 et qui vient finalement faire de l'innovation et du progrès technique un ressort construit par la croissance elle-même et qui vient dépasser toutes les apories de la croissance elle-même. Je le fais vite. Mais en gros, vous avez de la croissance économique qui permet de faire de l'innovation, du capital humain, qui permet du progrès technique et qui vient ensuite fabriquer de la croissance. Et c'est pour ça que ça s'appelle de la croissance endogène. On n'a pas besoin d'avoir finalement du progrès qui serait lui-même exogène au modèle lui-même. Et d'ailleurs, ce socle de cette croissance endogène, elle a aujourd'hui des relais extrêmement puissants dans le monde économique et politique du fait de la position dans le champ de ceux qui les portent, en particulier Philippe Aguillon et sans doute Pisani-Ferry, pour ne pas le nommer. Et ils ont toujours de grosses hypothèses qui frisent vraiment l'axiomatique ou la croyance. Ils ont une croyance vraiment très très forte dans les innovations, qui sont d'ailleurs toujours appelées du progrès, et puis une croyance immense aussi, infinie, dans le fait que les moyens économiques permettront toujours de compenser les dégâts anthropiques. Alors les conséquences de ces pensées dominantes et de cette agnotologie sont que voilà, il y a des tas de travaux qui sont totalement disqualifiés. Dans le rapport Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz sur l'incidence économique de l'action pour le climat, qui est quand même un rapport fondateur très récent de 2003, ils disent par exemple de toutes celles et ceux qui veulent travailler sur la décroissance que ce serait économiquement trompeur et socialement désastreux de travailler sur ces questions-là ou de faire des questions de la décroissance une question solide, légitime et argumentée. Ils disent même à un moment qu'au fond, les sociologues sont légitimes pour travailler sur la décroissance, mais pas les économistes. Bon, ça, c'est quand même assez intéressant.
Et ils mobilisent vraiment des arguments d'autorité en disant que la décroissance, ça signifierait un retour en arrière de plusieurs siècles. Enfin, voilà, bref. Et je rappelle que la croissance nulle, c'est simplement pas plus que l'année précédente et qu'on ne sait pas du tout revenir à l'avant. Et jamais ne sont interrogées une autre manière de penser qui serait, par exemple, qui sont un peu les outils qu'on voit se déployer aujourd'hui. Je pense au dernier ouvrage de Cédric Durand et de Razmig Khoïchoïan, qui est vraiment très intéressant sur la bifurcation et la nouvelle obligation de planification écologique, dans lesquels il propose de repartir des besoins fondamentaux. Alors je les cite, mais je pourrais aussi me citer là-dessus, mais repartir des besoins fondamentaux en tenant compte des limites, évidemment, planétaires, peut-être territorialisées. Et donc je conclus en insistant sur la nécessité de repenser en profondeur les institutions. Il faut repenser les institutions de la redistribution économique et sociale. Quelles institutions de la protection sociale dans une société qui ne sera nécessairement plus en croissance, qui sera une société de la post-croissance, créer des gouvernances polycentriques pour parler un peu avec la même terminologie d'Elinor Ostrom, même si Olivier, je sais que parfois il ne la considère pas du côté de l'économie écologique. Troisièmement, expérimenter des séquences de démocratie locale et participative qui, à mon avis, sont les seules qui permettent de poser la question de vers où nous voulons aller dans une société post-croissance. En renonçant peut-être pas au partage des savoirs, parce que je pense qu'il n'y a pas que les experts qui savent quelque chose autour des questions écologiques. Et puis, parce que c'est mon fonds de commerce aussi, redessiner les institutions d'enseignement et d'éducation, mais aussi les institutions statistiques, qui sont des dispositifs vraiment importants pour nous représenter le monde et pour le changer, puisqu'il me semble que les stats sont des outils centraux des diagnostics et de la planification du monde que nous voulons, et que les redessiner, ça signifie aussi renouer avec le caractère très pluriel qu'elles avaient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on a totalement raté le coche de ce caractère pluriel des statistiques aujourd'hui. Mais là encore, je suis très allusive, et il faudrait qu'on ait du temps pour en débattre, mais j'espère qu'on aura le temps par la suite. Merci. Pour ceux qui sont intéressés par ces questions, ils peuvent faire un master à pièce. C'est juste pour la petite blague. Alors, à pièce, qui veut dire ? Action publique, institution, économie sociale et solidaire. Voilà. Merci, Florence. Je pense qu'on va peut-être dérouler un peu les présentations. Si vous avez des questions, gardez-les pour entamer le débat à la suite. Donc, je pense que vous allez faire, vous faites une intervention à deux voix. Tout à priori, fait. Sur oui. Donc, la Société francophone d'économie écologique, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont vous êtes tous les deux membres et fondateurs, et sur l'implication des travaux des économistes écologiques, et non pas des économistes environnementaux, donc on l'aura bien compris, des économistes écologiques sur l'interface eau et dérèglement climatique. C'est à vous. Très bien. Ben, je vais commencer. Donc, on vient d'entendre plein de constats qu'un certain nombre d'économistes observent déjà depuis un certain moment. Et vous avez bien compris que, du coup, on ne parle pas tous à partir du même endroit, tous les économistes, je veux dire. Et qu'on a, vraiment des divergences assez marquées. Parmi les économistes du coup c'est vraiment intéressant de voir à la fois la façon dont on peut théoriser les crises écologiques, à la fois la façon dont on peut faire l'interface entre la recherche et les acteurs des territoires et les visions des acteurs du territoire en lien avec tout ça. Je pense que finalement, vous avez fait un bon, un bon panel pour parler de tout ça de manière très large. Alors, à partir de ces constats et du fait que ce modèle qui est basé sur une consommation, enfin, sur le maintien d'une consommation et d'une production n'est plus tenable. Je ne vais pas développer parce que ça a déjà été dit, mais
finalement, un autre des constats qu'on peut faire, c'est que ces crises écologiques, environnementales, sociales, etc., appellent également des nouveaux partenariats ou un besoin d'alliances nouvelles entre les sciences et les sociétés pour justement réfléchir à des propositions qui soient dans une optique de transformation. Voilà, il faudra voir qu'est-ce qu'on transforme et en quoi on transforme, hein, parce qu'on parle beaucoup de transition. Donc transition, c'est bien passer d'un état à l'autre, mais il faut d'abord définir où on veut aller, hein, dans quel état on veut se situer. Mais dans tous les cas, on sent, un certain nombre d'économistes, on sent ce besoin de faire des nouvelles alliances pour faire d'abord se parler davantage les sciences avec les sociétés, les acteurs de terrain avec les acteurs de la recherche, notamment dans ce domaine, dans ces thématiques et qui concernent les crises écologiques et sociales. Et on voit aussi, ça a déjà été mentionné, qu'il y a plusieurs acteurs, pas forcément au sein de l'économie, qui font justement, qui montrent la contradiction qui est celle de dire, celle que l'économie, les mainstream présentent, comme l'économie étant une sphère complètement étrangère ou en tout cas extérieure de la société ou de la biosphère. Et donc, non seulement les économistes écologiques, mais aussi les acteurs de la société civile, on voit de plus en plus de voix qui s'élèvent pour montrer l'imbrication et l'encastrement en fait, des activités économiques et des dynamiques économiques dans la biosphère qui l'encadre et dont en fait elle dépend. On a mentionné les limites planétaires, mais aussi des travaux sur alors une théorie qui est assez sexy, hein, parce que ça s'appelle la théorie du donut, donc avec en gros un plancher, un plafond, un plancher qui serait très synthétiquement les équilibres sociaux et puis un plafond qui serait les limites écologiques. Et donc voilà une marge au sein de laquelle on pourrait se situer. Donc du coup on voit que la position de certains économistes mainstream qui serait de dire on peut faire de la croissance, on peut continuer de faire de la croissance telle que on l'a fait jusque maintenant, mais on va la faire, mais elle va être verte. Donc on va faire de l'efficacité énergétique, etc. Mais on voit que, je ne vais pas trop développer, mais il y a des limites à cette croissance verte, notamment, par exemple, sur l'effet rebond, hein, qu'on peut illustrer, par exemple, sur la voiture électrique, sur les artefacts numériques, etc., où on a de l'efficacité énergétique, par exemple, mais ça ne compensera jamais la multiplication des heures de connexion, par exemple, ou la multiplication de production de voitures, etc. Et également, on a aussi, comme effet pervers, le fait de rendre externaliser un peu plus loin dans les pays en voie de développement, où voilà, tous ces effets environnementaux, ces effets sociaux, on n'a qu'à les éloigner pour qu'on ne les voit pas et on peut continuer comme avant. Donc, on voit qu'on a besoin de repenser ces interrelations et des nouvelles alliances. Et donc, en économie écologique, un des aspects qui décrit ce courant, cette approche,
c'est le fait qu'il faut quelque part réintroduire de l'interdisciplinarité. Et quand on dit interdisciplinarité, ça veut dire ne pas parler qu'entre économistes, mais étudier les objets et les phénomènes, les dynamiques sociales, économiques, avec des lunettes d'historiens, de sociologues, des géographes, d'aménageurs, de gestionnaires, d'économistes, etc. Parce que ça permet déjà de mieux comprendre et de mieux comprendre le réel, les dynamiques existantes dans les sociétés, et donc de mieux les analyser pour ensuite éventuellement mettre en place des politiques publiques qui soient pertinentes et cohérentes. L'économie écologique, un des apports, des messages principaux qui est transmis, qui est véhiculé, c'est notamment l'introduction du politique. J'ai oublié les sciences politiques, mais bien évidemment, donc l'introduction du politique. Et puisque finalement, chaque choix économique, chaque choix économique dans le sens large, devient à des implique des comment dire des priorisations, des arbitrages, voilà, c'est le mot que je cherchais, des arbitrages. Et ces arbitrages ne peuvent pas être faits sur le coin d'une table avec des experts qui seraient experts, les seuls habilités à prendre des décisions, puisqu'ils auraient une étiquette expert. Et donc la délibération collective, c'est quelque chose qui est un peu des éléments essentiel marqueur de l'économie écologique, c'est-à-dire le fait de prendre les décisions collectivement, c'est-à-dire avec des institutions qui puissent collectivement définir les priorités, définir les besoins, les attentes et les priorités, les arbitrages, du coup, d'un collectif qui serait le plus diversifié possible. Donc, au sein de tout ça pour dire que nous avons un petit groupe d'économistes. Alors, on a publié une tribune dans Le Monde. Ils ont dit 15 jeunes économistes. Alors, on n'est pas tous... C'est sympa, hein. Oui, c'est très sympa. On a beaucoup apprécié. Alors, le chapeau, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. C'est ce que vous dites. Voilà, c'est des économistes jeunes et moins jeunes. En tout cas, on a souhaité afficher, en fait, cette volonté de nouvelles alliances sciences-société. Parce que, mis à part ces constats dont je viens de parler, il y a aussi le constat que, en termes de vision, de visibilité, en termes d'implication et d'influence sur les politiques publiques, on voit que les économistes mainstream continuent à être quand même au centre des cercles qui influencent les politiques publiques. Et donc, en partie, pour cette raison, on a voulu proposer, du coup, la création de cette société, Société francophone d'économie écologique, donc qui rassemblerait, comme son nom l'indique, des économistes écologiques francophones, mais avec je précise que c'est pas fermé uniquement aux économistes, et que, bien évidemment, puisqu'on défend le pluralisme des approches. La société est ouverte à tous ceux qui se reconnaissent un peu dans la charte et dans le règlement intérieur et dans les statuts de la société qu'on a rédigé. Donc l'idée, c'est de proposer avec cette société, permettre un lieu où... on peut faire émerger des recherches avec un but transformatif. L'idée, c'est ça. Et se situer à l'interface entre la recherche et les acteurs de terrain.
pour pouvoir peser un peu de manière plus importante dans, à la fois dans les politiques publiques, mais à la fois aussi dans les résultats de la recherche et les rendre plus connus finalement que la recherche en économie mainstream. Je finis pour laisser la parole à mon camarade de droite. Donc, on a, puis il pourra peut-être développer. On s'est donné trois chantiers à la société, à la SOFI. Trois chantiers qui concernent, premièrement, l'enseignement. Parce qu'on sait que parmi les étudiants en économie, mais aussi ailleurs, il y a des étudiants qui ne se reconnaissent pas ou qui ont besoin aussi, qui ont envie d'écouter d'autres approches, mis à part les approches, enfin, au-delà des approches un peu standards et classiques, micro, macro, etc. Ce besoin aussi de la part du monde étudiant, donc un volet enseignement. Développer et faire connaître les formations en économie écologique en France et dans le monde francophone. Un deuxième volet sur ce que je disais plutôt tout à l'heure, la mise en visibilité, la communication sur ces approches en économie écologique globalement. Nous, on dirait plutôt en socio-économie écologique, hein, plus précisément, mais c'est un autre sujet. Pour montrer aussi le pluralisme des approches. Et un troisième chantier sur la construction de partenariats, justement, avec les acteurs de la société civile. Voilà, donc je m'arrête là pour l'instant, mais on pourra développer avec les questions éventuellement. Merci. En complément de ce que vient de présenter Iratse, peut-être vous redonner quelques éléments de compréhension aussi de ce que ça implique d'adopter une perspective d'économie écologique. J'aime bien cet aphorisme de Pierre Dac qui dit « Dans un monde qui change », et d'ailleurs ça fait écho un peu à la thématique de la table ronde de ce soir, « il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Et d'une certaine manière, on pourrait dire que l'économie mainstream, standard, qu'on a qualifiée à plusieurs reprises comme ayant finalement une courte vue, elle est plutôt dans la perspective de changer le pansement, c'est-à-dire essayer d'écluser dans un bateau qui est en train de prendre l'eau. L'économie écologique va tenter, au contraire, de prendre un certain nombre d'arguments pour reconsidérer complètement, finalement, la place et les interactions qu'il peut y avoir entre les sphères économiques, sociales et environnementales. Et d'une certaine manière, et là encore, ça me permet de, non pas de prendre un aphorisme, mais de m'appuyer sur un jeu de mots, ça consiste en quelque sorte à considérer que c'est non seulement l'économie écologique une nouvelle nature de l'économie, mais aussi une nouvelle économie de la nature. Et donc, ce qu'a bien rappelé tout à l'heure Florent Janicatrice, et Iratse Kalou-Mendieta l'a précisé aussi, on a ce constat qui est relativement unanime auprès d'un certain nombre de collègues, qui nous a poussé en fait à créer, donc on ne l'a pas mentionné, hein, c'était il y a bientôt un an, au mois de juillet 2023, cette société francophone d'économie écologique, parce qu'on s'était rendu compte que finalement, on avait un certain nombre de collègues qui étaient un peu éparpillés, certains tantôt à Toulouse, d'autres à Lille, d'autres encore à Dunkerque, à Arras, à Reims, à Nice, et qu'on avait quelques difficultés finalement à pouvoir faire masse pour pouvoir proposer un certain nombre de principes qui sont une façon aussi de renverser la table hein, par rapport à l'approche économique standard. Et donc cette société francophone d'économie écologique, elle prend naissance, il faut quand même le rappeler aussi, dans une tradition des approches économiques hétérodoxes, puisque c'est plutôt cette perspective de socio-économie écologique nous qu'on va défendre et que je repréciserai dans quelques instants. Et surtout, en fait, elle prend naissance à partir des années 1960-1970. Il y a sans doute un auteur hein, qui serait inconvenant de ne pas citer ici, René Passé, qui a fait beaucoup pour pouvoir repenser, notamment à travers son ouvrage « L'économique et le vivant », paru à la fin des années 1970, les rapports entre l'économique et le vivant et qui donne des bases conceptuelles très fortes par rapport à cette nouvelle façon d'envisager des relations entre économie et environnement. Au plan international, l'économie écologique s'est structurée à la fin des années 1980,
Mais c'est en France, en 1996, qu'à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, était créée la Société européenne d'économie écologique. Donc il y a tout un tas de sociétés plutôt satellites qui fonctionnent à l'échelle soit continentale, soit à l'échelle de quelques pays. Par exemple, il y a une société uruguayenne d'économie écologique, une société espagnole, une société allemande. Et on se rend bien compte aussi que traiter de ces enjeux-là dans un monde anglo-saxon, ce n'est pas forcément non plus le meilleur moyen pour pouvoir interagir avec des acteurs de la société civile, avec des porteurs d'enjeux, avec des représentants des politiques publiques. Et donc l'objectif qu'on s'est fixé à travers la création de cette société francophone d'économie écologique, c'est bien d'épouser ces trois jalons qu'a évoqué Iratse il y a quelques instants. Je pense qu'on a une belle opportunité, étant plusieurs d'entre nous opérant dans des systèmes universitaires responsables ou co-responsables de formation au niveau de la licence, au niveau du master, à la fois pour se rendre compte qu'il y a un diagnostic qui est partagé de cette prédominance en fait de l'approche économique standard et des difficultés qu'on a parfois à pouvoir faire émerger des visions un petit peu alternatives. Il y a quelque chose qui me choque, par exemple, dans ma propre université, il n'y a quasiment pas une heure de cours qui est dédiée aux questions d'économie sociale et solidaire au courant de la licence. On commence à l'aborder avec la plupart des étudiants qui prennent certaines voies un petit peu spécifiques, ces enjeux-là au niveau du master. Pour ce qui est de l'économie écologique, de la même manière, il y a assez peu finalement de formations universitaires qui dispensent des enseignements sur cette thématique. Et un des objectifs qu'on a au niveau de la Société francophone d'économie écologique, c'est de pouvoir s'appuyer sur des dispositifs pédagogiques à travers, par exemple, des ateliers-projets, en mettant en place des partenariats avec des collectivités, avec des ONG, pouvoir traiter d'enjeux locaux sur lesquels on va pouvoir aussi faire travailler les étudiants. J'oublie pas quand même que la thématique de la rencontre de ce soir est autour des questions de dérèglement climatique. Bon, il se trouve qu'elle prendra la parole dans quelques instants sur ce sujet-là. Iratse et moi-même, on est tous les deux spécialistes de la gestion des ressources en eau. Et c'est vrai que quand on regarde la manière dont ces ressources ont été abordées en économie, c'est ce que rappelait aussi Florence tout à l'heure, effectivement, à partir du moment où on considérait que c'était des ressources qui étaient renouvelables, qui étaient accessibles dans une quantité tout à fait abondante, en fait, elles n'avaient aucun prix, elles n'avaient aucun intérêt pour la plupart des économistes. En fait, les choses vont quand même assez radicalement changer à partir des années 1970, à partir du moment où on va commencer à mobiliser un certain nombre d'indicateurs, notamment l'indicateur de stress hydrique, à travers des discussions, comme les discussions préalables à la conférence des Nations Unies de Rio en 1992. Il y avait eu une conférence à Dublin où il y a un certain nombre de principes qui ont été reconnus en lien avec la gestion de l'eau et qui notamment reconnaissaient que l'eau était une ressource non renouvelable et qu'elle devrait avoir une valeur économique et donc être reconnue comme un bien économique. Quand on adopte une perspective dans le champ de la socio-économie écologique, donc je fais peut-être une petite parenthèse pour dire que le champ de l'économie écologique est assez vaste. Grosso modo, ça regroupe beaucoup de personnes qui sont assez insatisfaites du côté des écologues de la manière dont l'écologie a traditionnellement appréhendé la place de l'homme au sein des systèmes écologiques et réciproquement au sein de l'économie et des sciences sociales, la façon dont on traitait des questions d'environnement. Mais en fait, la partition qui a été proposée par Claes Pasch, qu'évoquait Florence tout à l'heure, du champ de l'économie écologique permet de distinguer d'une part ceux qu'il va appeler les nouveaux pragmatistes de l'environnement, qui sont majoritairement plutôt des écologues, qui vont avoir recours à des méthodes d'évaluation monétaire, en particulier autour des services écosystémiques, et qui vont reprendre à leur compte une bonne partie en fait, de la boîte à outils de l'analyse économique standard pour essayer de faire de l'évaluation monétaire. Un autre pan qui est analysé par Spach, c'est ce qu'il appelle les nouveaux économistes des ressources, qui sont, on pourrait dire en quelque sorte, des économistes standards qui avancent un peu masqués, qui essayent de se frayer un chemin dans ce champ de l'économie écologique. Et quand on consulte d'ailleurs la revue Ecological Economics, on voit qu'ils ont un poids qui est tout à fait important. Et puis, il y aurait cette troisième tendance qui est prônée par Claes Pasch et à laquelle, en fait, on adhère, qui est plutôt de s'appuyer sur les connaissances en sciences sociales pour traiter des problématiques environnementales, des enjeux de pouvoir, de nouvelles alliances qui font sortir aussi les chercheurs de leur statut d'observateur, mais pour qu'ils s'impliquent réellement
dans le champ politique et social et environnemental. Et cette socio-économie écologique, elle nous permet, quand on le traite à partir de la gestion des ressources en eau, de pouvoir non plus considérer l'eau comme un bien économique, mais plutôt comme un patrimoine commun, comme un bien commun qui va faire l'objet d'un certain nombre de conflits, de discussions, de négociations, et à partir desquels des procédures ou des processus délibératifs vont devoir émerger. Donc je voudrais juste peut-être, avant de repasser la parole brièvement à Iratse, donner peut-être un élément d'illustration de ce que ça peut produire quand on avance avec des grands principes. C'est toujours intéressant quand même de pouvoir illustrer. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de coordonner un groupe de travail aux côtés de Stéphanie Léronas à l'Agence française de développement, où on a travaillé avec une vingtaine de personnes, des chercheurs, mais aussi des personnes qui interviennent au sein des agences de bassin dans le monde francophone, en Afrique du Nord, en France et dans un certain nombre d'autres pays francophones. Et on a essayé de travailler sur la thématique de la gouvernance des eaux souterraines pour essayer de dresser un diagnostic qui soit conjoint de l'ensemble des enjeux qui sont posés par la surexploitation de ces ressources et qui mettent en évidence pas mal d'éléments d'ailleurs qui ont été rappelés par les uns et les autres, hein, les effets rebonds, les promesses technologiques qui finalement débouchent généralement sur un certain nombre d'impasses, sur le fait que de plus en plus finalement avec la perspective du dérèglement climatique, on voit que ces problématiques de surexploitation se posent dans un nombre croissant de pays, pas seulement dans les pays au climat semi-aride et aride, mais également, on pourrait même parler de la métropole lilloise, hein, la question de la pénurie d'eau, ça peut vous faire sourire quand on voit toute l'eau qu'on s'est pris sur la tête depuis ces dernières semaines. Mais il y a encore quelques années, la métropole lilloise a été à deux doigts de se retrouver en situation de pénurie. Et donc, on a conduit avec Stéphanie Léronas et en partenariat donc, avec des personnes de l'AFD, d'autres institutions, notamment du CIRAD, mais aussi des personnes qui participent au groupe de recherche sur l'eau agricole. On a conduit ce constat et puis on a fait un certain nombre de propositions qui permettent de repenser en fait cette gouvernance partagée des eaux souterraines. Je n'ai pas le temps ici de vous l'évoquer, mais est disponible un working paper ainsi qu'un un policy paper qu'on a co-rédigé ensemble et qui est disponible sur le site de l'Agence française de développement. Donc, pour vous donner une illustration de quand on sort du rôle du scientifique qui est uniquement observateur d'un certain nombre de dérèglements et qu'on essaie de s'impliquer pour aussi formuler un certain nombre de préconisations qui sont à destination des pouvoirs publics, on entre pleinement en fait dans un des chantiers qu'on s'est donné dans le champ de la Société francophone d'économie écologique. Peut-être Iratse pour une autre illustration si on en a le temps, mais on a temps. Déjà beaucoup parlé. Que... J'ai perdu mon téléphone. Mais ouais. Il est 18h. Ouais, bon. Ouais. Alors juste pour parler un petit peu de terrain également, moi je travaille depuis très longtemps maintenant sur un bassin versant que vous connaissez sans doute, le bassin versant de l'Audomarois, qui est ici dans la région près de Saint-Omer, avec, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit fleuve côtier qu'on trouve souvent dans les monts croisés. Et surtout, une cuvette hein, dans l'Audomarois, un marais extrêmement riche au niveau en termes de biodiversité, mais aussi un maraîchage, donc c'est le dernier marais maraîcher de France, enfin cultivé de France. Il y a une voie navigable qui traverse le marais. Le marais Audomarois, c'est la pointe de ce qu'on appelle la plaine maritime flamande. Donc, ce triangle Saint-Omer, Dunkerque, Calais, pardon. Oui, merci. Où c'est un polder, hein, donc des terres gagnées à la mer. Donc, un bassin avec plein d'enjeux en termes d'eau. Avec des conflits très importants, enfin historiquement depuis une vingtaine d'années, très importants, des conflits qui évoluent et qui se développent avec des périodes plus ou moins intensité, mais juste pour vous montrer, par exemple, un peu les incohérences, si on regardait ce territoire d'un point de vue uniquement
avec l'optique ou les lunettes de l'économie standard, on se dirait, bon, on va louer les ressources, on a une quantité de ressources déterminée, on a des usages, on va voir quel est l'usage le plus pertinent. Bon, les maraîchers, ils étaient, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ils étaient peut-être 700 dans les années 70. Ils sont plus que 30 familles ou même un peu moins actuellement. On pourrait dire, on va donner une compensation monétaire et on arrête le maraîchage dans le Marais ou de Morois. Territorial, enfin, quand on va sur le terrain, c'est inconcevable. Ce choix-là, ça serait inconcevable. Alors que si on regarde de manière complètement objective ou purement froidement, économiquement, financièrement, ça serait peut-être l'allocation optimale des ressources. Au contraire, quand on regarde un peu les conflits d'usage qui concernent l'eau sur ce territoire, on voit que la profession maraîchère, donc les familles qui cultivent les derniers terrains de maraîchage sur ce territoire, ont un pouvoir d'influence extrêmement important. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que cela donne en termes de conflits, de rapports de force, etc. Mais ça montre que si on regarde une dynamique économique ou une dynamique sociale avec une seule optique, on perd parfois 95% des réalités, 95% des dynamiques et 95% de ce qui fait, de ce qu'ils font ces dynamiques économiques. Donc juste un exemple sur le terrain, dans le domaine de l'eau. Et je voulais parler d'autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Tant pis, ça sera pour après. Voilà, pour la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et sur laquelle je pense qu'on aura l'occasion de revenir parce qu'il y a des choses quand même qui se parlent entre vous. Et donc maintenant, on va passer la parole à Jean-Christophe pour une expérimentation, donc parfois sur un revenu de transition écologique, encore une fois aussi basé sur des recherches, sur une théorie développée par Sophie Swatton. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre quelque chose autour d'un revenu de transition localement, et je pense que ça se développe pas mal, donc voilà. On cherche, donc on espère trouver quand même. Et surtout, on est dans l'expérimentation, donc on est en train de construire avec des acteurs de terrain. Alors pour revenir sur Zoen, peut-être en rebond de plein de choses qui ont été dites depuis le début, en fait Zoen, en grec, ça veut dire vivre. Et la question du vivant, on parlait de René Passé tout à l'heure, la question du vivant finalement, elle est au cœur de notre action finalement au sein de Zoen, de repenser aussi justement la société, l'économie, le vivre ensemble, du coup, en lien avec le vivant. Et donc, Zoen, du coup, on voit des chercheurs engagés. Bah, finalement, Zoen, ça a été créé par des chercheurs qui sont eux aussi engagés, en l'occurrence Sophie Swatton et aussi Dominique Bourg, puisqu'en France, l'association a été créée aussi par Dominique Bourg. Tout à l'heure, nos collègues insistaient beaucoup sur la question des institutions. Dominique Bourg est philosophe et un des artisans, et elle a beaucoup travaillé sur la question des institutions, de l'institutionnalisation, on va dire, du développement durable. Enfin, par exemple, un artisan quand même important de la Charte de l'environnement en France. Donc voilà, cette question de faire évoluer l'action publique, de faire évoluer aussi les modèles économiques. Nous, on parle de modèles économiques pour, en effet, ne pas être dans simplement l'adaptation, mais bien dans la transformation structurelle aussi de l'entreprise et de l'économie à l'échelle locale. Parce que le parti pris pour nous, c'est de travailler à l'échelle des territoires, justement avec les acteurs de terrain. Et dans notre jargon, on utilise en effet ce mot de recherche-action pour faire ce lien entre la recherche et le terrain. Et là, aujourd'hui, donc Zoen, c'est à la fois une fondation, puisque ça a été créé en Suisse, à Genève, puisque Sophie Swatton est enseignante-chercheur à l'Université de Lausanne et concrètement, elle habite Genève. Donc ça aide du coup à créer la fondation à Genève en 2017. Et puis en 2019, c'est une association que je dirige. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de moyens finalement pour cette transformation de l'économie et de la société. Parce que nous, ici, on n'est que deux. Hein. Par exemple, je vois ma collègue Amandine Deruel qui vient d'ailleurs du Master à pièces. Du coup, donc voilà,
On a des moyens, on a des ambitions fortes, quoi, finalement, et puis des moyens qui sont relativement limités, même si, du coup, on a quand même le soutien de pas mal d'acteurs en France et en Suisse en particulier, et la Fondation. En tout cas, on est bien sur ce principe et sur ce constat de départ. Enfin, on parlait du donut. Nous, on prend beaucoup en référence ce donut, c'est-à-dire de réarticuler la question des enjeux environnementaux, du plafond environnemental, des limites planétaires, avec les besoins essentiels. Et dans l'approche du RTE conceptualisée par Sophie Swetton, en fait, on va s'intéresser en particulier à cette question du revenu, quoi, finalement. Et souvent, on parle du revenu de transition aussi un peu comme une forme de revenu de capacitation, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes, et des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui ont la crise de la quarantaine, par exemple, ou d'autres, qui souhaitent aussi faire une reconversion, s'engager dans la transition. Et c'est un outil qui est simplement au service, finalement, d'une forme de reconnaissance de l'engagement en faveur de la transition. Et donc, derrière le revenu de transition, on est bien dans cette idée de, bah, finalement, à la fois de reconnaître, mais aussi de penser une sorte de droit au travail, à l'emploi, justement rémunéré, quoi, du coup. Et c'est vrai que dans l'approche, sans aller dans le détail de l'approche du revenu de transition écologique, mais Sophie Swetton, en fait, donc elle est, je ne l'ai pas dit, du coup, elle est économiste et philosophe, et surtout spécialisée sur le SS, et en France, du coup, elle a fait une thèse à Aix-Marseille sur les questions de la pauvreté en France. Donc elle a travaillé pendant de nombreuses années sur les questions de pauvreté. Elle a travaillé en particulier aussi sur la question du revenu de base et du revenu inconditionnel, et au regard de cette question de l'urgence écologique, des limites planétaires, Et du fait, comme dit Kate Raworth quand elle part du donut, si on ne répond pas, si on ne prend pas en compte le plancher social, en fait, on tombe dans le trou du donut. Donc, comment éviter de tomber dans le trou? Et donc, dans une réflexion très critique du revenu de base, elle théorise, elle conceptualise le revenu de transition écologique. Et souvent, moi, j'utilise l'image, comme Amandine, de la pièce de monnaie, finalement, pour présenter le revenu de transition. Parce que c'est à la fois, en effet, cette idée d'apporter une aide financière, un revenu ou un complément de revenu, mais aussi, pas que, c'est aussi un triptyque pour nous. C'est une aide financière, un revenu, mais aussi c'est de la formation et de l'accompagnement. Et puis aussi une forme de redevabilité par rapport à des personnes, on n'aime pas le mot bénéficiaire, on utilise plutôt les porteurs de projets RTE, c'est le fait que ces personnes, du coup, adhèrent aussi à une structure dite démocratique. C'est vrai que la question, pour nous, on allie vraiment cette question des nouveaux modèles économiques avec la question démocratique, quoi, du coup. Et donc, c'est pour ça qu'on prend l'image de la pièce de monnaie, parce que si d'un côté, il y a l'idée du revenu, c'est-à-dire de bénéficier d'un financement, d'un accompagnement, il y a aussi l'idée d'adhérer à une coopérative de transition écologique. Et cette coopérative, nous, le modèle qu'on défend, c'est le modèle de la SIC, de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, pour repenser, là aussi, des formes de partenariat public-privé multi-acteurs. Force est de constater que, par exemple, on parlait de territoire zéro chômeur, nous, on a eu moins de, avec Sophie Swetton et avec Dominique Bourg, moins d'écoute, par exemple, auprès de certains ministres, d'ailleurs, qui sont toujours en activité, je pense, ministre de l'économie. Donc, notre tactique, notre stratégie, c'est plutôt de partir d'en bas, quoi, finalement. D'ailleurs, on est plutôt d'en bas, donc on part d'en bas, par des territoires, pour expérimenter, essayer de construire, de mettre en œuvre ces coopératives de transition écologique qui reposent sur un principe clé, une personne, une voix. Des fois, on rencontre des élus locaux, hein, qui me disent, mais qu'est-ce que vous voulez dire, une personne, une voix? Je pense que même les enfants en CM2 comprennent à peu près. Mais bon, bref, peu importe. Ils ont oublié qu'il y avait des élections représentatives. Tu voilà, sais. Ils ont oublié que c'était que la démocratie, peut-être. Mais bon, résultat des courses, ce que je veux dire, c'est que voilà, l'association, elle a été créée, en France en tout cas, pour vraiment accompagner ces expérimentations du revenu de transition écologique, explorer, on le dit comme ça, explorer ces nouveaux modèles économiques et ces nouvelles formes de démocratie, quoi, du coup. Et en fait, qu'est-ce qu'on met concrètement sur la table, c'est quel est aussi ces modèles un peu innovants de financement de la transition. Bah, parce qu'on est un peu quand même coincé. Donc c'est intéressant pour nous au niveau de la fondation aussi, de l'association,
de voir comment, des fois, on travaille avec des grandes fondations. Alors, on choisit quand même avec qui on travaille, mais des fondations d'entreprise ou en France, par exemple, la Fondation de France. Comment, en fait, aussi, j'allais dire, cet argent, il est aussi orienté pour une forme de redistribution. Derrière le RTE, c'est aussi cette forme de redistribution. Donc, voilà, c'est ces mécanismes-là sur lesquels on travaille aussi à travers la mise en œuvre de ces coopératives. Et l'association, aujourd'hui, ben, elle a trois grandes missions principales. C'est de, finalement, animer un réseau, aujourd'hui, de sept expérimentations en France. Donc, je vais vous parler après de Tilt, ici, dans le Nord, qui est le premier prototype. Mais on a une première vague, on va dire, 2019-2022, avec trois premières expérimentations donc dans le Nord, en Nouvelle-Aquitaine et puis aussi en Occitanie. Ce qui est intéressant, parce que nos amis aussi travaillent dans le réseau développement durable des territoires fragiles. Vous utilisez c'est plus fragile. Mais à l'époque, avec Bertrand, on parlait de territoires fragiles. Ouais. Mais la drôle de coïncidence, c'est que ces projets en fait partent justement sur des territoires, des zones rurales à revitaliser, mais à bien revitaliser. Si vous voulez, il n'y a même plus de services publics, par exemple, dans le projet de Terra. Donc on recrée aussi des services et de l'économie, ou encore en Occitanie. Ou le point de départ aussi dans le Nord, à Grande-Synthe, et le travail qui a été mené aussi avec Damien Carême à l'époque, c'est de se dire, mais finalement, on est peut-être sur un territoire qui est très fort dans la mondialisation. Là aussi, on a des élus qui sont très touchés pour faire une transition, une industrie de demain. Mais malgré tout, à Grande-Synthe, sur une ville qui fait à peu près 25 000 habitants, il y a quand même 29% de chômage. On frôle les 40% chez les moins de 25 ans. Et le taux de pauvreté, il y a à peu près 31% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Le revenu médian annuel à Grande-Synthe est de 9 900 euros. Donc voilà, la question de penser vraiment au changement, mais pas voilà, de mettre un pansement sur une jambe de bois, enfin, c'est aussi l'enjeu. Donc l'intérêt, c'était de partir aussi sur des territoires avec des enjeux écologiques et des enjeux sociaux vraiment très, très prégnants. Et donc Tilt, bah, du coup, on est dans l'expérimentation avec cette idée de créer cette SIC avec un partenariat avec des acteurs privés, des acteurs publics, avec aussi des chercheurs. En l'occurrence, c'est Isabelle Robert, par exemple, que vous connaissez forcément, du coup, qui est aussi sociétaire de la coopérative depuis le début. Elle est sociétaire fondatrice de la SIC. Et donc, on essaie de faire cette mixité, finalement, aussi, entre des acteurs aussi de l'insertion, des acteurs de la création. Et parce que le choix qu'on a fait, en fait, c'est le choix de créer une SIC et aussi une coopérative d'activité et d'emploi. Donc, c'est vrai que, si vous voulez, quand on a déposé les statuts au tribunal de commerce de Dunkerque pour remplir le M0, c'était très compliqué parce qu'une SAS, c'est assez simple, SIC, il reste encore un peu de place. Mais alors, de mettre en plus CAE, c'est très compliqué. Donc, en fait, il n'y a plus de place, il n'y a plus de case pour écrire ça. Mais statutairement, voilà, on est une SAS, une société action simplifiée, mais coopérative d'intérêt collectif. Et coopérative d'activité et d'emploi, justement ces emplois, ces nouveaux emplois sur la transition écologique. Et donc, en fait, on met en place simplement un outil pour accueillir, accompagner, former, et on rajoute un étage à la fusée qui est le financement, quoi, finalement. Alors aujourd'hui, c'est du gros bricolage, en fait. C'est du gros bricolage, quoi, du coup, pour trouver des financements avec surtout de la finance solidaire ou avec des acteurs de la finance aussi. Dans le champ de l'ESS, avec quand même des fondations du coup, qui veulent bien jouer le rôle, surtout Fondation Zoen, si vous voulez, et puis des collectivités locales. Et on arrive aussi à s'imbriquer, finalement, dans un truc qui s'appelle REV3, c'est plutôt pas mal, où il y a beaucoup d'argent, surtout sur l'innovation technique, peu sur l'innovation sociale, mais voilà, on a quand même des gens comme Frédéric Mott, qui sont les artisans, l'artisan de REV3, et qui voient aussi quand même... l'intérêt de soutenir ce genre d'initiative. Donc voilà, dans la méthode, on travaille, et d'ailleurs on a travaillé aussi avec l'Institut Gaudin sur un travail d'enquête qui se veut très participatif pour essayer de comprendre un peu les effets de cette expérimentation à l'échelle des individus, à l'échelle de la coopérative, voire à l'échelle des territoires. Donc il y a un long chemin sur l'évaluation. On travaille aussi avec une stagiaire sur ce sujet d'APS, sur les questions d'évaluation et d'avoir un référentiel d'évaluation sur le sujet.
Mais voilà, j'allais dire, ce sur quoi on est engagé. Alors après, les actions très concrètes en lien aussi avec les questions changement climatique, ben, en fait, on soutient, et là, par exemple, il y a un axe stratégique sur la coopérative autour de la mobilité, justement, de la mobilité, des mobilités actives et du vélo. Donc on soutient, là, aujourd'hui, des entrepreneurs qui se sont d'ailleurs structurés en petits collectifs pour apporter une réponse assez intégrée, comme on dit dans l'économie de la fonctionnalité, sur une approche liée voilà, à du conseil à la mise en œuvre, à la vélo-école, et puis une activité, par exemple, en cyclo-logistique. On voit aussi que la question de l'alimentation, ça commence, et justement, voilà, comme réponse aux besoins essentiels, se déplacer, s'alimenter, habiter. Alors on a ici, d'ailleurs, même dans les locaux, il y a Toerana, donc on ne va pas être non plus concurrent de Toerana, mais on travaille. D'ailleurs, là, on a un projet sur Boulogne-sur-Mer, dans le cadre d'un tiers-lieu, pour avoir un lieu qui sera peut-être, justement, imbriqué avec Toerana, avec un Fab Lab, parce qu'on a, par exemple, des porteurs de projets sur les low-tech. Donc, on a une grande diversité, finalement, de porteurs de projets. Si je sortais les chiffres, comme on le fait avec nos amis Cours Ensemble, etc., au 31-12-2023, on avait 50 contrats actifs avec 25 personnes qui étaient plutôt dans un parcours d'insertion. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ISS, il y a de moins en moins de chômage, et puis il n'y a plus forcément de 100% inclusion, là, du coup. Donc, on a des entrepreneurs qui étaient plutôt dans un parcours d'insertion qu'on ne retrouvera plus, qu'on ne voit plus là dans la coopérative, faute aussi de moyens d'accompagnement dont on dispose, quoi. Donc aujourd'hui, c'est une petite trentaine là, aujourd'hui, d'entrepreneurs sur des activités assez diverses et variées. Et ce qu'on essaie de faire, parce qu'on travaille forcément en réseau avec d'autres coopératives d'activités d'emploi, bon, on essaie peut-être aussi d'inventer ou de réinventer, je ne sais pas, trouver l'originalité de notre CAE, parce que la CAE, elle est voilà, dans l'ADN, il y a plusieurs choses. Des métiers en lien avec la transition écologique, avec cette logique de solidarité, de soutien avec voilà, la dimension financière, et puis la dimension territoriale. C'est-à-dire que nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de travailler sur la valeur aussi écologique, sociale et territoriale. Avec Isabelle Robert, c'est un sujet qu'elle affectionne en particulier, la valeur territoriale, de voir quels sont les effets aussi de ces activités. Donc voilà, on n'est pas, Tilt, c'est pas un collectif d'entrepreneurs qui se disent tiens, on va se mettre ensemble, peut-être qu'on va faire du business et ça sympa. C'est, on se réunit parce qu'on porte, on porte des valeurs communes, d'ailleurs, il y a une charte de valeurs. Et puis, forcément, on développe aussi un modèle qui se veut dans une autre forme d'économie, quoi, du coup. Parce que certes, aujourd'hui, on bénéficie de financements aussi publics, mais il y a aussi une logique d'autofinancement, quoi, du coup, et d'autonomie. Et donc, on crée de la valeur économique, mais aussi, on espère, sociale, écologique et territoriale. J'en dirai pas plus. Merci.